na moni naufrage moko salami na Grèce et na moni ba tu ba kufi na liste wana ba Congolais et belé plus de 15 et belé il y a seulement mi balende ba bou ba zala qui sauvé zala qui presque na date mo balba qui les 15 mais na bi les 15 à moi ninité na zo senga na yo avant obima avant okota bondela soki ki motema no résister ko kene na voyage wana te programmer reprogrammer yango prochainement ataba ebisho basaba meki balebele balebele nde ya suka non nzambe azana mabongisi naye na kati wana na monika ka batumi balende babiki mwasi na mobali il va se passer un vent qui va commencer en Europe plus que ce qui a déjà commencé il va y avoir un vent qui va souffler en Europe dans la communauté congolaise pas seulement en Europe mais dans toute la diaspora de partout. Et ce vent-là va aller contaminer ceux qui sont dans les pays. Les Congolais de partout sur la terre vont être réveillés comme ça n'a jamais existé. Shalom mes bien-aimés, je vous salue de partout, je dis bonjour et bonsoir. Selon le temps, selon l'heure que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir être devant lui et devant son peuple ce matin ou cet après-midi, ça dépend du lieu ou du moment où vous êtes en train de me suivre. Shalom encore, shalom, 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 je vous salue de partout. Je suis devant toi pour essayer de te parler de la part du Seigneur et je demanderai à ce que tout celui qui va recevoir ce message, qu'il essaye de le partager et qu'il permette à ce qu'une autre personne puisse l'écouter au nom du Seigneur Jésus. Prions. Éternel, je te bénis, je te remercie, je te rends multiple action de grâce. Je demande que tu sois là, le Seigneur, le Dieu de temps et de circonstances. Donne-moi la langue facile, la langue directe, la langue correcte, afin que, Seigneur, ces messages puissent arriver avec action de grâce à destination. Laisse que ton peuple le reçoive pour ta gloire et pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. J'ai quelques messages pour un peuple, c'est le peuple congolais. Je demanderai à ce que vous puissiez ouvrir la Bible avec moi. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est là qui est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Un seul verset biblique que nous lisons ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux Éphésiens. Et aujourd'hui, c'est le prophète Jean-Luc qui s'adresse aux Congolais. Et j'aimerais à ce que les gens écoutent et reçoivent ce message avec action de grâce. Bien aimé, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, La Vérité, active ta cloche de notification, abonne-toi à la chaîne et que le Seigneur te fasse grâce, comme ça tu seras en train de suivre avec nous. J'en profite, avant de commencer mon message, pour t'informer que le 14 novembre, je t'invite de partout que tu es, que tu te connectes avec nous sur La Vérité pour faire une prière prophétique pour la RDC. Et ça sera à partir de 17h. Et ça va se passer à Bruxelles. Et si tu veux aussi participer dans la prière, ne manque pas de me contacter afin que nous puissions le faire et nous puissions programmer et planifier tout ensemble. Vu que la pandémie, avec ses exigences, nous sommes aussi obligés de pouvoir respecter certaines choses. Alors que Dieu te bénisse. L'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose dans la Bible. L'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de s'adresser à un peuple. Il est en train de s'adresser à quelqu'un.
Il dit, toi qui sembles être endormi, réveille-toi. Réveille-toi. C'est comme si l'apôtre Paul a vu quelqu'un qui était endormi. Il a vu quelqu'un qui était plongé dans un sommeil et qui n'arrivait pas à être éclairé. Car le sommeil étant considéré comme une période où le corps de l'homme n'agit pas, ne répond pas, c'est aussi considéré comme un moment d'obscurité puisque les yeux sont fermés. Et tous ceux qui dorment ne voient pas. Leurs yeux physiques sont fermés et cela devient comme une obscurité dans leur vie. Cela les empêche de voir les choses à venir. Cela les empêche de toucher aux choses glorieuses. Cela les empêche de toucher aux choses puissantes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et que le Seigneur puisse t'éclairer. Et pourquoi je suis en train de dire que quelqu'un doit se réveiller, c'est par rapport au sommeil qui a pris la vie d'une personne. C'est par rapport à un état physique qui a endormi quelqu'un pendant longtemps. Avant que je donne le message que je vais te donner, je vais faire suivre deux messages. J'aimerais que tu m'aides à prier après que je t'ai parlé de ce que je vais te dire là. Dieu m'a fait grâce de m'ouvrir les yeux et m'a ouvert, mes yeux ont été ouverts et il les a braqués sur le pays qui s'appelle la Grèce. Et de là à Grèce, il m'a amené directement dans la communauté des Congolais qui sont là-bas. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vois c'est la Congolais et la communauté congolaise qui est en Grèce, au Bazolandara. Amoni va se diviser en deux groupes. Groupe Moroya IDPS na groupe Moroya Lamuka. Mais si quoi tu as IDPS va sa lokola ba kangi ba tu Lamuka. Jusqu'à ce que il y ait quelqu'un pour venir les libérer. Qu'est-ce que ce message veut dire? Ce message démontre pezola kisa comment batu baza na bomo côté. Batu baza divisé. Et division wana ekoki kozala physique et kozala pe spirituel. Ekoki kupe ko amener ba problème tribal. Non, na koma na greste. Je vis batu baza divisé na katambuka wana. Une partie ya IDPS, une partie ya Lamuka. Et puis ba itu ya IDPS bazo sa loko bazo dominer batu ya Lamuka. Et comme climat wana et cela qui est batu baza la indifférent vis-à-vis des autres. Parce que bon de la nzambe, moli mon nzambe ezali kolo ya bande ko na biso baza na kata mboka ya Grèce, que mi pepe ya tribalisme oyo to mi pepe ya bokaboni ya batu. Et simba bango te et soki ezo ko simba bango na pameli yango na kombo na Yesu. Kaka moli mo oyo le même esprit qui m'a amené en Grèce. Ce même esprit va me permettre de me retrouver devant un bureau. Et ce bureau, là où j'étais, c'était, j'aimerais que tu m'aides, que tu partages ce message à quelqu'un qui habite la Grèce. S'il te plaît, aide-moi. Sungangai, sukozana ndekomo kwa vanda na Grèce, pesa y message. Sukozana mutumu kwa vanda na Grèce, sungangai. Parti ya liboso ya message, sungangai. Nisaidie pati ya ndugu yako mwa mwanaishi Grèce. Please, try to share with someone who is living in that country, in Greece. Alors, je me suis retrouvé devant une porte. Et la porte, c'était comme, il y avait un tableau, comme ce que vous voyez derrière moi là, de CRL, mais en long comme ça. C'était écrit comme une association. Et c'était presque divisé, le tableau, si je peux me permettre de vous le faire voir comme ça. Le tableau était totalement comme ça, mais il était divisé ici. Et là, il y avait, de ce côté, il y avait beaucoup d'inscriptions. Ici, il y avait une inscription limitée jusqu'à ce point. Et en bas, ici, il y avait une photo. Les inscriptions ici, au-dessus, il y avait le nom de l'association. C'était écrit comme une association. Je ne me rappelle plus le nom. Mais j'ai vu des noms, de noms, de noms, de noms, de noms, de noms à partir du chiffre premier jusqu'au chiffre 15 au-delà. Des noms qui étaient repris. Les noms étaient repris. Et puis, de ce côté-ci, j'ai vu une petite liste
qui se limite ici, et deux personnes sur la photo ici, une femme et un homme qui avaient la Bible, et ils s'agenouillaient en train de pleurer en élevant les mains vers le ciel. Et que je vois une liste, je vois, un tableau devant une porte. Cette porte, c'était une porte d'association. Et tout le monde était venu là. Et moi, je me retrouve là, dans 4x4, au milieu d'eux. Et pendant que je vois une liste. Je vois une page longue là. Il y avait des noms de ce côté. Il y avait des noms jusqu'au numéro 15, au-delà même. Et ces choses-là s'étaient passées comme un certain les 15 d'un mois, mais je ne connais pas lesquels. Et de ce côté, je vois aussi des noms, mais en dessous, c'est de là où je vois deux personnes sur la photo quelque part ici. Et moi, j'arrive là-bas, je suis en train de regarder, mais je ne comprends rien de ce qu'ils sont en train de regarder. Et c'est à ce moment-là que je vais poser la question à quelqu'un qui m'a aussi posé la question. Prophète, est-ce que tu comprends? Je dis, je ne comprends rien. Il y avait, pourquoi les gens étaient là? C'était comme une association qui était là pour assister et aider les gens. Et tout le monde s'est pointé devant ce bureau-là pour recevoir les aides, puisque je vis un monsieur sorti du bureau avec des serviettes et des linges qu'il était en train de partager. Donc j'ai compris que c'était un bureau associatif ou d'assistance, quelque chose comme ça. Mais alors, le monsieur va m'expliquer, il me dit, tu vois ce qui est comme ça là, et la liste qui est ici, c'est la liste de frères congolais qui vient de connaître un naufrage au niveau de la Grèce, et il y a des noms. Il me disait, ça vient de se passer tout de suite, les 15 là. Bon, moi, j'ai pensé que c'était une histoire ancienne, mais il était en train de me raconter de quelque chose qui allait se passer tout de suite. Qu'il y avait plus de 15 naufragés congolais, plus de 15 de nos frères congolais qui sont décédés automatiquement. Et c'est pourquoi les noms étaient là et tout le monde venait voir les noms. Les gens sortaient en mettant les mains sur la tête. Alors, de ce côté-ci, là où il y avait, les noms étaient sur ce côté, 1, 2, blablabla, et d'une partie ici, il y avait d'autres noms, mais en dessous, il y avait la photo d'une femme et un homme. Ils n'étaient pas de mariés, mais c'était une sœur et un frère et qui ne se connaissaient pas. Il n'y avait rien de lien entre eux, mais chacun avait sa Bible, les mains levées, en train de bénir le Seigneur. Et la sœur, je l'ai vue, elle avait de mèches à la tête, elle avait une teinture à chocolat. Elle n'est pas totalement, elle est mélangée au chocolat comme noir, c'est comme quelque chose. Elle n'est pas brune, elle n'est pas aussi noire. Mais elle n'est pas, si elle pèse trop, elle peut avoir 70 kilos. Elle n'est pas courte, elle est longue, mais elle était agenouillée en train de pleurer. Et c'est alors qu'on me dit que ces deux personnes-là, ils étaient sauvés dans cela. Et alors, ils étaient en train d'élever le Seigneur, puisque eux seuls, ce sont eux qui ont été rescapés de cette histoire-là. Et là, je suis sorti de la vision, en train aussi d'avoir mal. Ça veut dire que ce n'est pas pour longtemps. Prions pour nos bien-aimés qui sont en Grèce. Les deux personnes-là, pourquoi ils étaient sauvés? Ce n'était pas à cause de la Bible. Mais les personnes étaient sauvées puisqu'elles avaient foi dans le Seigneur et ils ont mis tout ce qu'ils étaient en train de faire avec le Seigneur. Et ceux qui sont décédés, ce n'est pas puisqu'ils n'étaient pas dans le Seigneur. Ils n'avaient pas mis leur foi dans le Seigneur, mais peut-être leur degré de foi ou bien leur degré d'intimité avec le Seigneur n'était pas comme pour les deux autres. Je vais demander à tous les bien-aimés, vous qui êtes en Grèce, mes bien-aimés, lorsque vous allez commencer à chercher à traverser ou à avoir une route, please, précédez le Seigneur. Précédez le Seigneur dans ce que vous êtes en train de faire. Bandekunanga o namoni namoni on amboka ya Grèce. Le lotozali le 30 septembre 2020. Nazolo belango à partir à Suède. Nga nazana Suède. Komo nanga Jean-Luc Kamani. Nazamo moko basali nzambe pe mwana nzambe. Namoni naufrage moko salami na Grèce. Et na moni batu bakufi na liste wana ba congolais et belé plus de 15 et belé. Il y a seulement mi balende babu ba zala ki sauvé. Et zala ki presque na date mo balba ki les 15 mais na bi les 15 à moi ninité. Na zo senga na yo avant obima, avant okota bondela. Soki ki motema no résister ko kende na voyage wana te. Reprogrammer yango prochainement.
ata ba ebisho basi ba meki mbalebele mbalebele nde ya suka, non. Nzambe azana mabongisi na ye. Na kati wana na moni kaka batumi balende babiki mwasi na mobali. Elingi kolobake ba oyo bako zana ngambu ya nzambe. Ba oyo bako satashe na ye bako bika me. Ba oyo bako satashe na ye biente. Vina bango yuko za la mkuse. Ba wana mi bale bazo lila bazo tomo la baboko likolo. Bazo lila bazo tomo la baboko likolo. Je ne sais pas par quel moyen et par quel miracle ils étaient sauvés. Alors, yo oyo ki message o partager on a de comme na Grèce, yebi sa epe a bonde la. Yo peso ko na programme olingo kat sa quelques jours avant kat sa banda ko micha na kat na mabonde li, loboko na nzambe za likolo na yo. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je prie pour mes bien-aimés qui sont en Grèce. Seigneur, et si kanyon se à tout moment quand ils vont se décider de pouvoir se déplacer, lorsqu'ils vont se décider de pouvoir sortir de ces pays-là, Papa, je t'en supplie, couvre ton peuple, ne les laisse pas se perdre. Yahweh, la Bible déclare que tu es un Dieu qui écoute la prière. Écoute cette prière. Couvre ton peuple par le sang de l'agneau. Je t'en conjure, Jésus-Christ. Ils sont à la recherche de la vie. S'il te plaît, Seigneur, ne les abandonne pas, ne les laisse pas. Ne les tourne pas ton dos. Sois le véritable Seigneur, sois le véritable Dieu. Je te demande et j'implore ta grâce et ta faveur qu'elle soit au milieu d'eux, au nom de Jésus. Amen. Alors, réveille-toi, toi qui dors. Message, yo, j'aimerais que tu me comprennes très bien dans ce que je vais dire dans Réveille-toi, toi qui dors. La vision, elle est comme ça. Il y avait un homme, c'est ça, je suis dans la vision, je suis en train de parler de la vision. Il y avait un homme qui était en Belgique. Et cet homme en Belgique, il travaillait dans une compagnie. Et la compagnie dans laquelle il travaillait, il se décida, il dit, non, il faudrait qu'il aille faire une formation. Et on l'envoya vers, et on va les envoyer vers un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était entre, les, je pense, le Bénin, le Guinée, le Sénégal, Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Des pays comme le Mali, le Sénégal. Je n'ai pas bien vu c'était quel pays. Et quand il arrive là-bas, le monsieur va commencer à passer son examen. Mais on lui dit de payer, c'était une formation. Et il dit qu'il n'avait pas l'argent. Et on va lui dire une chose. Même si tu n'as pas l'argent, réveille-toi, toi qui dors, écoutez bien ce message. Même si tu n'as pas l'argent, quand tu vas rentrer, on va te faire suivre une facture et la facture va te demander de faire payer, de payer ce que tu as consommé ici et tu vas le payer double. Alors c'est à ce moment-là qu'il va sortir l'argent comme 70 euros et il va payer. Et quand il paye, le cours qui va suivre, c'est un cours comme un cours d'anglais ou de je ne sais quoi. Mais il regarde en soi le cours qu'il a suivi. Et il s'est dit, mais ces cours que j'ai suivis, non. Alors, je suis dans la vision. Il revient maintenant en Belgique. Je suis en train de te parler de ce que je vis, ce que le Seigneur m'a permis de voir. Et quand il arrive déjà en Belgique, et il se pose une question. Mais le même cours que je viens de suivre là, moi aussi je suis capable de les dispenser, de les donner ici. Et comment ce pays-là, un petit pays comme celui-là, il est capable de donner un cours comme celui-là et il est capable d'être en contact avec les autres et on va nous demander d'aller faire des choses que nous pouvons nous-mêmes faire. Et ce messier-là, il se tient debout, il s'énerve. Il dit, à partir d'aujourd'hui, moi aussi j'ouvre une école et je commence pour mon pays et pour mon peuple. Et c'est de là où on me dit, réveille-toi, toi qui dors. Ça veut dire quoi? Par la suite des jours, l'Éternel va permettre, réveille-toi, toi qui dors. Écoutez bien ce message. Réveille-toi, toi qui dors. Il va se passer un vent qui va commencer en Europe. Plus que ce qui a déjà commencé. Il va y avoir un vent qui va souffler en Europe, dans la communauté congolaise. Pas seulement en Europe, mais dans toute la diaspora de partout. Et ce vent-là va aller contaminer ceux qui sont dans les pays. Les Congolais de partout sur la terre vont être réveillés comme ça n'a jamais existé. Réveille-toi, toi qui dors. L'air et le temps de Djalelo et Fili. Essayez, passez-moi ce message à tout le monde. Bon, on a battu.
Les gens vont se réveiller contre les hommes de Dieu. Les gens vont se réveiller contre les politiciens. Les gens vont se réveiller contre le gouvernement. Les gens vont se réveiller. La population va recevoir un souffle de réveil. J'étais en train de prier chaque fois le Seigneur, poser la question à mon peuple, jusqu'à quand on va penser. Mais l'Éternel me fait grâce. Il dit, il va y avoir un souffle de réveil, de conscience, de prise de conscience. Pas le réveil spirituel de la prière. Non, je ne parle pas de du réveil de prière. Je parle du réveil de conscience, de prise de conscience. Vous savez, récemment, j'ai appris que le gouvernement en place, le gouvernement Félix, a décidé qu'à partir du mois de juin, on ne va plus donner les passeports. Soit disant qu'on doit réduire le prix des passeports et tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on va encore imprimer peut-être d'autres nouveaux passeports. Mais si vous vous rappelez bien, dans l'espace de 10 ans, nous avons essayé de changer 3 ou 4 passeports. Il y avait un passeport en 2000 à l'entrée de l'AFDL. Jusque quand Mobutu est parti, on a changé. Kabila Père est parti, Kabila Joseph est venu, il a changé. Et en 2015, on nous a changé cette histoire de passeport numérique. Et aujourd'hui, on veut encore changer. Ça veut dire quoi? Chez nous, lorsqu'il y a un mauvais système, au lieu que les gens combattent un mauvais système, nous nous adaptons de vivre avec ce mauvais système. C'est-à-dire, quand on ne vous paye pas, vous vous adaptez de commencer à voler pour vivre et aider celui qui ne vous paye pas à continuer à vivre. Lorsqu'il y a faim, au lieu que les gens disent que nous avons faim, ils s'adaptent à la famine et ils disent « Zalaka kaboué ». Mais je viens dire à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Même pendant leur journée du 14 novembre, quand nous serons dans la prière, dans la prière prophétique pour la RDC, selon la recommandation en Zambé, on va déclarer des paroles de réveil. De réveil de prise de conscience. Je ne parle pas de réveil spirituel. Dans l'obité, on a 5 heures, on a 5 heures. Dans l'obité, on a 5 heures, on a 5 heures, on a 5 heures, on a 5 heures. Osoko na ba tumibali ba telebi ba zoyemba jale ba zoyembe la kabila kozonga kabila kozonga otala kote musu ba zoyembe la beton beton mais en réalité ba zo ba la linzala bazana musala te et lokomo kote mais bazao za la réveiller te mais réveille toi toi qui dors. Il y a un vent de réveil zoko tabisika nyoso même bisika oyo ba tumasa iko mona pasi na bitumba ba tuba kondima ba lobi bobo mabiso donc biloko ezo baluka na sens mususu que les hommes ne vont pas comprendre. À un certain point que les gens vont se poser des questions. Yango bato baloki bango ou comment? Puisque soko tali biloko ezo le kala depuis ba anena bambula na bambula. Bato bazala lokwa bato moko boye ba et inoptiza bango puisque ezana kindoki moko banda depuis les années 80 surtout na ba parti politique na lo, même na parti politique lokwa ba IDPS ba MPR tout ça musa na bango tina ba peuple de oyo. Musa na bango za kolalisa ka batu ba raisonnerte ba réfléchirte batu ba kanisa ka mabina ba kanisa ka kolango uzomona mtu auti kozwa diplôme azobeta nino lisoloke ba bimi na diplôme ba kiomela masanga c'est-à-dire synonyme pas na biso kozwa diplôme ezali passage de l'âge de non alcoolique à l'âge alcoolique puisque mtu nyoso tanga zo dwa diplôme mais lokwa liboso okanisa o na uti na nganda na uti komela pona ko célébrer diplôme. Au lieu de commencer à penser nanyenini ozokota na vie musa les ate comment je vais aller papa na mama bazana na ilo kwa kosala te mais ozwino mbongo muke ojoza na ndaku na bino bokende komela ngo masanga ndali na mitu na biso bachaka kaneti ondile bachaka ka kibolole ke to kanisa ka to réfléchissa ka bien te mutu moko boye azovanda azo toucher $670,000 par mois abi kabila toucha ka $670,000 le mois. So il salaire à Kabila ndé yebani. Yes, siko ya président za la combien. Et pourtant Kabila za sans fonction. Siko ya za en fonction. Hein? O ya za en fonction. Na espace ya une année muto sa somi d'abord, ami somi montre $600,000. Azola yo moko zo tala ndinga zolata. Siko kanisi soki nanu muto alati bongo se ke poche ne za ndé. Mais dans l'entretemps batu nyoso bazo baluka bazo vivre ndenge ni. Mboke za ndenge ni. Eza na ba province muso soko mona muto depuis abima na province. Bah, tu vas voir un salaire, t'es. M'bon, yo, c'est l'andarina Kinshasa. Je connais des gouverneurs de province où y'a t'il les lots. M'bon, yo, c'est l'andarabangona Kinshasa. Bah, tu vas au sala, bah, fouta maraté. Réveille-toi, toi qui dors. L'Éternel dit qu'un vent de réveil, et zo kota,
mi pepe o bolat bolali sara bat na ebike bo fula kana ba veni. Je connais la sorcellerie wana bo salaka na na ba veni bo tele makana ba mboka bo zana mi pepe moko bo fula kana kati ya batu bo fula kana ozali uf ya okene golali sa batu pongi ko sala ki batu koma lokwa bizengi ba kan ba prendre conscience te ba luka jamais ko se poser la question sur leur vie ba se tourna te ki ba mi tourna te ke comment ça va être la vie demain. Non, il y a un, il y a quelque chose qui emporte les enfants de Dieu, qui emporte pas seulement les enfants de Dieu, toute la population. Vous allez voir toute une jeunesse qui est sacrifiée seulement aux distractions, mais aux choses sérieuses. Personne ne se pose la question. J'ai un jour posé la question, où habite Kabila? À Kinshasa. Félix à Kinshasa. Les sénateurs à Kinshasa. Les députés à Kinshasa. Et les Fayoulou à Kinshasa. Tout le monde est là à Kinshasa. À Kinshasa, là où tout le monde est, et la population kinoise qui est estimée à plus de 80 millions d'habitants, mais cette population, et à 8 millions si je ne me trompe pas, ou 80 millions, mais cette population-là, elle est dominée par un groupe de gens. Oui, que ceux qui peuplent les lobbies, tout l'amour qui les lobe, vous avez à maîtriser Batounios. Écoute, il n'y a pas de vie qui se donne sans vie. Mais les gens, ils continuent. Mais je bénis le Seigneur, les lobes, que l'Éternel lui-même s'est élevé. Je vous dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Biloko wana ezosi lo batu bazaki lokwa ba distrait. Bosala ki lokwa batu. Ozomona papa mon bibazo ki ndekoye ma journée mon pour payer 500 francs. Alors qu'il a le droit de demander son salaire. Policier oya salaka, militaire oya. Soda ku toi salaka a touchaka. Tout un général a sali ceux qui 2 ans, ceux qui 3 ans asimba salaire na été et il se dérange pas. Mais Olia kanga politicien ou yazana mbongo na ye azo landande civil apamba zo tambola na balaba. Batu bazo sala bozoli ate bazana ba biro wana o bazo tambola bikonyo so boyebi bango ba ministre banani banani. Mais bon landa bango ba pesa bino mbongo na bino. Bokoma kozongela peuple ya batu o yayebi likambute. Sikoyo peuple wana. Nzamba souffle na kati na ye. Souffle ya kofungola bongo na ye. Azaki loko na pongi, pongi zo sila. La Bible dit, réveille-toi toi qui dors, car le Seigneur va t'éclairer. Maintenant, le Seigneur va éclairer son peuple. Père Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je prie par rapport à ces messages. Je les remets entre tes mains, Saint d'Abraham, Saint d'Isaac, Saint de Jacob. Yahweh, souffle sur la terre tout entière, et particulièrement dans mon pays, la RDC. Le souffle du réveil, des prises de conscience de mon peuple. Nzambe ba buzo ba ozo mona ba bazo figna na sur la toile li ba sala biloko oyo za normal. Seigneur ezoke ezo sila na kombo na Yesu. Mutu nyoso makanisi ezo zonga en place. Mon pepe oyo ba chaka ba lobi de génération en génération ba kanisa ate. Na bengani yango na kombo na Yesu. J'envoie le vent de la vie. Je dis Christ souffle un vent de la vie sur ton peuple, sur la terre, sur la nation, et que tout le monde puisse se réveiller au nom de Jésus. Amen. Aussi soyez comme message. Réveille-toi toi qui dors. Dis-lui réveille-toi toi qui dors. Les temps sont arrivés. Bah tu kobima na pongi. Eh, ezala kinde boy. Eh, tous abandeko. Kuswani sabiso. Oya zaso ki yai depeso. Zaso ki yanani. Po bango baliaka. Bazo swani sabiso me bango moko kuna kimia. Réveille-toi, toi qui dors. Vous vous rappelez, n'a pas ça un message, Moko. C'était la semaine passée, le week-end. Na lobi na moni divorce, Moko, politique. Na moni batu mbale ba divorcer, politiquement. Cash, FCC. Na zo mona divorce, na bino. Na zo mona bino, bozo divorce. Divorce politique, Moko, abinisse alliance à Bouaki. Mais keba! Bino bosalaka bobwaka ba alliance na bino mais biso ko tozo lamuka mais tant tozo lamuka tozo yela nde bino o bino nde bo bibisa ki biso. Réveille-toi toi qui dors bien-aimé. Arrête d'être fanatique. Arrête de ne plus penser ozana 40 ozana kata mouvement wana ozana 50 ozalaka toujours na dipapo musalo silisa otikala ko zwelo kote oku kanisa tate. Réveille-toi bien-aimé, réveille-toi. Ozo kumisa mutu moko boye zozo wa 100 000, yozo zwa nini. Ozo yembe la mutu moko boye, akomisa nyo atala kuna ena eloko moko watate.
lobi awo ya okosa yo amemeli ka mwa t-shirt nazo mona nde bazoya okosa batu moko bientôt ba okosa bino ba memeli minuzo ba mwa t-shirt ba mwa 5 euros na kata parti politique na bino wa bino batu wana nazo mona nde bazoya okosa batu ya IDP scalaté batu ba batu wa sala ka parlement de bubu yo ka bango ne ba kochia makelele eh ba pesi biso boko na biso réveille toi toi qui dors. Seigneur sois béni pour ce message. Tu vas réveiller ton peuple par la gloire et par la puissance. Réveille toi Oza soki na lamuka réveille toi Oza soki na cash réveille toi Oza soki na FCC réveille toi Réveille-toi, yo peux osa na société civile, réveille-toi. Réveille-toi, homme de Dieu. Bolamuka. Réveille-toi. Au moins tu nzamba zolo ba réveille-toi. Boya aussi tu ka ba pasteur ba komi kote ya makamso bo kanisa ite. Boya aussi tu ka ba nzela ba mouvement muso so komi. Boya aussi tu ka biloko moko salami bo komi komi tuna. Boko contrôler les situations. Au moins ba kisi na binona. Kisi pe polaka. N'a pas koufaka. Réveille-toi, toi qui dors. C'est la chose qui manquait. Et le Seigneur entre avec ça dans les têtes des gens. Dieu va utiliser ces faibles-là. Ça ne sera pas comme au Mali. Celui du Mali s'était échappé. Mais le Mali de la RDC, réveille-toi, toi qui dors. Que Dieu bénisse ces messages et qu'il bénisse tout celui qui va les suivre. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, aidez-moi à partager ces messages. C'était moi, votre frère et serviteur de Dieu. Jean-Luc Kamani, c'est mon nom. Je vous aime tous. Abonnez-vous sur la chaîne La Vérité et que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Si tu veux te retrouver en prière avec nous, essaye de me contacter et nous allons programmer et planifier. Que Dieu te bénisse. Shalom.